attention sur ton week-end. C'est bien toi qui l'as écrite. C'est au nom de la création, clairement. Au nom de la création, et je pense aussi, je crois qu'il est aussi en quête d'amour, quoi, d'avoir un regard. Oui, il a besoin d'amour aussi. Moi, je sais que je suis dans un film de François Ozon, et donc je comprends très vite que de toute façon, il y aura quelque chose de l'ordre, effectivement, de la sensualité. Et je pense que ce personnage joue de cette sensualité et de son éventuel charme pour mener à bien ses projets d'écriture et pour mieux manipuler en séduisant ses professeurs et les autres. Cette scène où je lui apprends qu'elle soi-disant elle est stérile, mais c'est un mensonge de Claude. Elle m'a beaucoup impressionné parce qu'elle est capable à un seul mot, d'avoir des larmes qui viennent, mais c'est presque un réflexe. Et François revient derrière et elle sait doser au bon degré avec Fabrice. On se découvrait en même temps que les personnages se découvraient. Et donc on avait vraiment ce rapport prof-élève, avec beaucoup de distance au départ, puis au fur et à mesure, en apprenant à se connaître, beaucoup moins de distance. Il y a un truc formidable, c'est qu'il me prête des livres dans le film. Et lui, il connaît des passages par cœur de chaque livre, pratiquement. Et donc, j'avais pas besoin d'ouvrir ses bouquins et je pouvais. Oui, c'est très important parce que justement, on voit qu'il a grandi seul et donc sans amour. Et c'est en ça qu'il est cruel et qu'il se fait. Quand il rentre dans cette maison et provoquer les situations pour mettre à bien son roman, ses rédactions, il hésite moins à être cruel parce que justement, voilà, il a grandi sans amour. Et je pense que oui, c'est important de...